tout belle. Belle, là, tout propre. Là, tout propre. Et puis, mon nom, ça dit, oh! Tant-moi. Regardez. Mais c'est ça. Et bien, c'est lui mon premier. Allez. Ça veut dire c'est lui mon premier à venir dans le meeting. Dans tout gros Sili, oui, c'est lui mon premier, oui. Et pas ni mon deuxième, ni mon troisième, ni mon quatrième, mon premier. C'est lui mon premier. Ah, gardez-le. Gardez-le. De pour ouais, c'est lui ou ouais, c'est comme. Allez, je comprends là. Mais c'est ça. Il y a l'argent dans tout dedans. Parce que, il y a longtemps, depuis qu'il y a des bagages immobiliers. Et pas moi qui ai immobilier hier, non là. Je ne vais pas quitter le si c'est moi qui a propre pour me poser la question. Si je quitte le c'est moi qui a propre là, il ne va pas quitter me poser la question. Je vais retirer ça là. Quelle question m'a posé Sili? Écoutez, je vais faire là. Je vais écrire quelques questions. Je vais poser Sili mon première question, mais elle va venir, je vais le cacher. Je vais le cacher. Ah ah! Eh bien, nous voyons qui est-ce qu'il a. Merci Dieu. Nous avons un grand meeting. Le grand meeting en anglais, en français. Gros réunion. En créole, gros chita parler. Je dis à la, nous voyons qui est-ce qu'il a. Son plaisir pour me chita avec gros potorique, ton garçon, ça. Nous allons parler de en pile bagaille. Nous avons déjà well. Il a écran, il bien paraît. C'est monsieur Sili, mon premier. Même sous la caillou, même sous dans studio à n'importe côté, vous mettez sous la rue, vous pondi fonti campé, bat bravo pour monsieur. Bravo. Bon, alors, monsieur mon premier, nous saluons. Merci un petit téléradical. Téléradical, nous comptons recevoir. Un petit plaisir tout pour avec nous. Yes. Alors, déjà là, qu'on y en là, mets-toi à l'aise. Moi, pensais que moi très à l'aise avec Téléradical. Bon bagaille, avec Téléradical, on est toujours à l'aise parce que c'est la télé des passionnés. En parlant des passionnés, nous connaissons monsieur ça, c'est un grand agent immobilier. C'est-à-dire que c'est un monde qui consacre les cailles, maison. Alors nous dit cailles, mais c'est maison parce que où qu'on l'univers ça, ça c'est nous domaine pas. Tout à fait. Tout à fait. Monsieur mon premier, depuis combien de temps, depuis quelle année, vous avez exercé dans le domaine immobilier, dans la communauté? Dans la communauté, nous avons commencé la carrière nous, dans les années en 1989. 89? Oui. 89? Oh. À aujourd'hui. Et l'année, oui? Oui, ça passe même trop vite. Parce que normalement, nos numéros de permis, ils ont indiqué par des lettres A, B, C, D, E, F avec des numéros qui suivent. Okay. Alors, par section de lettres, et moi-même, moi, dans la catégorie B9775 qui est numéro permis de pratique, moi. Avant, c'est la lettre A. Après, okay. Suite, on tombe B. Maintenant, on est rendu à IJK avec des numéros. OK. Donc, ça veut dire tout autant que j'ai ancienneté. Exactement. Oh, okay. Donc, ça donne une idée. Donc, les lettres B, c'est des gens qui ont 25 ans et plus. Ah, OK. Regardez par rapport à l'âge. Exactement. Expérience, l'âge. Non, par rapport à date qu'on passe examen, qui est droit d'exercice. Donc, okay. C'est pour ça que ça va de A, B, C, D, E, F, G avec des numéros. Puis quand il atteint un numéro, il commence avec une autre lettre. Okay. Une autre lettre. Donc, les gens qui sont dans la catégorie A, c'est des gens de 30-35 ans de pratique qui sont dans la catégorie A. Ah, bon. Mais là... Ça, c'est un petit truc juste pour Téléradical. Pour Téléradical, ça exactement. Ça, c'est l'exclusivité de Téléradical. Même pas c'est la gampile exclusivité, je vous dis, parce que quand même, peut-être, nous ne pouvons pas même gasser de temps. Pour nous parler, parce que nous avons gampile bagaille que nous pouvons parler. Avec un monde qui a toute une expérience, ça, mesdames, messieurs, gampile bagaille que nous pouvons parler. Par contre, nous faisons un pile recherche tout sous. Ah oui? Ah!
m'bral bien recherche sou. D'après ça m'apprendre, mesdames messieurs, dans télé radical, monsieur Sully mon premier, c'est premier haïtien qui c'est un électricien dans Montréal. Parmi premier haïtien, peut-être que là t'ai gagné l'autre, mais électricien monde qui fait électrique. Et pas menti m'bay. Ou pas bay menti, mais aspect ça tellement caché, m'a demandé comment on fait découvrir. Ça veut dire télé radical n'a pas gagné secret. Et ce monsieur là, OK, il fait partie de premier haïtien tout qui organise activité, ça veut dire bal, bal. Et puis côté premier ministre parler de lui, parler gouverneur général, tout le monde ça a parler de lui avec programme. Ça veut dire son monde qui gagne pile respect au Canada. Moi penser que oui, parce que comme on capable dire nous t'ai organisé avec mon collègue maître Andy Bernard Eustache et le 60e de septentrional et c'était pour la première fois que orchestre haïtien Tessien le livre d'or de la ville de Montréal. Voilà. Et c'était moi-même avec Andy Bernard Eustache qui t'a organisé ça avec des lettres de reconnaissance du premier ministre du Canada, d'alors du gouverneur général, etc. Et entre guillemets, souvent, lorsque niveau gouvernement ça y est, a co-signé un événement, il a fait une enquête pour connaître son pagain des dossiers antécédents qui est capable de compromettre. Moyo que vous avez mis dans l'événement. Ok, ok. Mm-hmm. Donc, à partir de qui moment ou bien qui élément déclencheur qui pral mener et Sully vers immobilier, puisque ou son monde comme si, ou pas pa domaine ou bon, bien que électrique, gen rapport peut-être avec kaye, avec maison, tout ça, mais qui pral dit que branche, vende kaye là, m'intéresse à avec elle. Je vais être franc et honnête avec la réponse. C'est pas une carrière, c'est pas quelque chose que m'étais pensé du tout. Mais dans mon jeune âge, j'ai acheté ma première maison au Québec en 1980. J'ai fait ma première acquisition d'un immeuble à revenus sur boulevard Lacordaire. Okay. Et puis, ça qui t'a impressionné, moi, pas jamais payé coutier. Et nous ne pas connaître les courtiers touchés commission. Okay. Et moi, je pratiquais à ce moment-là, je faisais c'est la banque. Non, c'est l'auteur qui le paye. Oh. Mais l'acheteur, c'est quelque chose qui se règle à l'interne avec le bureau du notaire. Okay. Et à l'époque, je pratiquais l'électricité, je faisais des réparations. Beaucoup de maisons dans ces périodes-là à Montréal, les sous-sols n'étaient pas finis. Donc, nous avons toujours besoin d'électricien pour venir faire l'électricité dans ce sol-là parce que nous avons mis ton four, fond chambre. Donc, nous avons fait beaucoup de travaux électriques pour la clientèle haïtienne. Oh. Donc, mais malheureusement, on avait de la misère à se faire payer. Et par exemple, à l'époque, ils ont travail qui vaut 1200 ou fait pour 700, 800. Puis les gens sont avaient de la difficulté à te payer. Puis j'aime pas ça négocier trop de l'argent. Et puis il me dit, mais quel métier que j'aurais pu faire pour ne pas être obligé de négocier de l'argent? Puis, mais j'ai dit, mais j'ai acheté deux maisons, puis j'ai jamais vu quand est-ce que le courtier s'est fait payer. Puis c'est là que j'ai cliqué et je suis allé faire la formation au cégep qui est à Longueuil, je pense que c'est Édouard Maupetit. Édouard Maupetit. À Longueuil, et c'est là que j'ai suivi dans les années 88-89, j'ai allé faire la formation, okay. Et par la suite, j'ai commencé à pratiquer depuis jusqu'à aujourd'hui. OK. Mais maintenant, pour un monde qui sorti Haïti dans les années 80, arrivé au Québec, pas qu'il y ait une grosse communauté comme ça, ça veut dire tout le monde là, qu'on y a là, ou quand on vit, moi, j'en dis, rire, ou qu'on côté pour aller prendre tout le bagage. Comment nous te vivons? Arrivé ici dans les années, fin des années 80, disons 80, c'est ce période du Duvalier. Bon, moi, je suis arrivé dans les années 70. 70? Oui. Avant, du Duvalier, quand même. Non, ici en 72, en 1972. En 72? Oui. Et en 72, qui s'est passé à Montréal même? Bon, Montréal, pas de grandes choses, parce qu'à cette époque, il fallait aller au coin de Saint-Laurent, entre Sainte-Catherine et Dorchester, pour acheter un petit banane les samedis. Okay. Il n'y avait pas de marché haïtien, et il n'y avait pas de club haïtien, il n'y avait rien vraiment d'haïtien. Wow. C'est que la communauté s'organisait surtout dans les sous-sols. On habitait beaucoup plus dans les sous-sols à l'époque. Okay. Donc, de temps en temps, on s'y battait, mais on s'y fête les samedis soirs. C'est comme ça qu'on s'organisait, mais en vase clos. Okay. Mais il n'y avait pas vraiment une grande communauté. Mm-hmm. Et puis, il y avait beaucoup d'intellectuels à l'époque, des professeurs, des médecins, mais c'est des gens qui vivaient
une façon isolée. Chacun pour soi. Exactement. Donc, il n'y avait pas vraiment une communauté forte et solide à l'époque. OK. Alors, mesdames, messieurs, si nous regardons le grand meeting, nous, et Kimoun qui l'a encore une fois, m'a rappelé nous, c'est monsieur Sully, mon premier. Non, ça a nous tendu dans la communauté à longtemps. Mon premier service immobilier, mon premier. Est-ce que mon premier, c'est vraiment non? Non, vrai nom ou bien son nom utilisé pour faire business? Non, c'est vrai nom, moi, nom de famille, moi, c'est mon premier, M-O-M-P-R-E-M-I-E-R. OK. Et lorsque, par exemple, moi, j'ai décidé d'ouvrir compagnie, hein, parce que on a une déontologie qui est très limitée. OK. Par exemple, dans la profession, nous, m'a dit, moi-même, moi, meilleur que vous-même. Okay. Ou bien, moi-même, c'est premier mien. Donc, nous pas gain droit utiliser ça. Ah. Et comme mon nom, c'est mon premier, donc j'ai fait un mariage, j'ai utilisé mon nom pour créer le nom de la compagnie qui est M-O-N-1-E-R. Très original. Différent de mon premier qui est M-O-M-P-R-E-M-I-E-R. OK. Et le symbole de la compagnie, le logo de la compagnie que je porte ici, là, oui, ici. Je l'ai inspiré de quand j'étais à l'école primaire en Haïti. Et qu'on était premier de classe, on nous donnait une médaille de cette forme-là qu'on mettait en avant de notre chemise quand on donnait nos carnets. Et je me suis inspiré de ça pour faire le signe de l'excellence d'une compagnie. Ah, ça c'est bon. Ça c'est très, très, très original, mesdames, messieurs. Nous parlons ça à l'autre côté. Parce que vraiment, nous devons dire, bon, mon premier, il prend un nom, il utilise, il fait nom, il vient de nom marque de commerce. Oui, c'est un marque de commerce et pour votre information, c'est un marque de commerce qui est enregistré au niveau du commerce du Canada. Oui. Et depuis environ plus de 12 à 15 ans, on a fait homologuer le nom. C'est une marque réservée. OK. Est-ce que mon premier service immobilier, c'est premier service immobilier capable de dire? Je ne vais pas dire haïtien, mais qui baille service plus dans la communauté haïtienne. Non, mais tu as l'autre avant. À ma connaissance, non, pas de gain l'autre avant, à ma connaissance. Okay. Donc, c'est première compagnie. Maintenant, il y en a plusieurs, oui. Des concurrents. Tant mieux pour la communauté, c'est la multiplication. Mais quand j'ai ouvert en 2005, j'étais par un bureau qui était parmi les premiers bureaux haïtiens. Mm-hmm. D'ailleurs, tout coup de ces cap travaillent présentement sur le marché, nous capables de dire publiquement, généralement, yon sur 5 te passé la caille moins avant que aller ailleurs. OK. Bon, là, nous allons faire un petit exercice là, en ce moment. Nous avons un petit panneau qui marque yes, no. Chaque question que je me pose aussi, c'est yes, ou vous montrez yes là. Caméra, on lance ça qui là. Oui, oui. Donc, si c'est no, ou vous dites non, c'est pas ça. OK. Donc, question que nous allons poser, monsieur mon premier, c'est des questions qui. Question basique que nous posons à n'importe qui, mais oui. Lui-même, il va dire si ça catégorise avec, si il pas catégorise avec. Si c'est bonne réponse en tout, si c'est pas bonne réponse en tout, on va nous ça qui bon. On va expliquer nous bonne réponse. Là. D'accord. OK. Donc, nous gétons connait nom complet, lui c'est Sully mon premier. Ça c'est une bonne réponse. Yes. Voilà. Lieu de naissance lui c'est Saint-Marc. Non? Ce qui peut vous sortir. Moi sorti dans une commune qui est les Terriers Rouges, à peu près 30 minutes dans le nord. Oh. Et j'ai grandi au Cap-Haïtien, j'ai fait mes débuts scolaires jusqu'au milieu de secondaire au Cap-Haïtien. OK, c'est un caprois, mesdames, messieurs. Donc, vous pensez que c'est un latibonicien? Non, c'est un caprois. OK, bon à savoir. OK, nombre de frères et sœurs, il y a deux frères et une sœur. Non. Ah, ça veut dire que je vais faire mon recherche là. Combien de frères sont-ils? On est une famille de 8. Okay. Donc, deux sœurs et on est 6 frères. Donc, on est une famille de 8, dont je suis le 6e des 8. Oh, OK. Le 6e enfant de la famille de 8. OK. Alors, situation matrimoniale, ça a vraiment m'pap, m'pap chapé la donnée. C'est mon monsieur marié. Yes! Et ça, je me dis, oh, ma bouche, mais il faut donner son suspense à téléphone. Voilà, téléphone dit qu'on est là. Mais oui! Oh, c'est depuis combien d'années? Oh mon Dieu, ça fait au moins 40 ans. 40 ans de mariage? Oui. Qui, bon, pendant que je me pose la question, ça, peut-être que ce n'est pas le but de notre émission, mais on a tout profité. Yo, on pourrait être dans 40 ans en mariage. Faut qu'il y ait cœur ou bien faut ou prêt pour accepter. Comment ça a passé? Et c'est un
Moi, j'ai comme philosophie, il n'y a pas de personne parfaite, oui. Incluant moi-même. On fait des efforts. Donc, ma philosophie, c'est si vous avez 51% de qualité, de bonne qualité, je suis prêt à vivre avec le 49% imparfait. Waouh! Waouh! Ça là! Non, mesdames, messieurs, il faut nous battre bravo. J'aime bien écouter l'émission là, c'est le moment, il faut apprendre, c'est le moment d'apprendre. 40 ans de mariage et puis il faut apprendre à faire des compromis. C'est ça que lui dit nous. Donc, nous t'ai dit dans le début de l'émission, hein, c'est que M. Suleiman Premier, il a une expérience en tant qu'électricien. Est-ce que c'est en Haïti où tu as appris l'électrique ou bien au Canada? J'ai appris l'électricité en Haïti et j'ai fait mes débuts de carrière en Haïti. Vous avez travaillé comme électricien ici? En Haïti. Et quand j'ai rentré ici, premier emploi, c'est dans l'électricité. Ici au Québec, encore l'électricité? Oui. Waouh! Mm-hmm. Mais, pas oublier tout, en Haïti, monsieur mon premier, tu as travaillé dans une usine côté où tu fais Manteg. Et Manteg là, des générations qu'on a peut-être, on ne sait pas c'est quoi. Parce que nous pas vraiment utilisé. Mais c'est comme on graisse, on mettait fruits dans l'huile, on mettait poids, on mettait en Dieu, on fait manger, tout ça, c'est ça? Et pas tout à fait, parce que c'est un produit brut qui venait, de l'extérieur d'Haïti. D'Haïti. Qu'on portait dans des bateaux à Saint-Marc. Et là, ils ont fait des marmites, des bidons, ils ont mis en produit fini. Mais on savait pas c'était quoi exactement. OK, vous avez donc, juste travaillé. Exactement, on apporte le produit par bateau, on le met dans des silos, nous on fait la finition en Haïti. Mais c'est pas un produit qui était fini en Haïti. Il est venu à l'état brut en bateau et en Haïti on fait la finition. OK. Avant que nous allions en pause, pour être un bon vendeur de maison, est-ce que faudrait vraiment que ou connaît toute particularité qui gagne dans un caille, ou bien il faut connaître le marché de l'immobilier? Il faut plus connaître le marché immobilier que les parties dans un caille. Okay. Parce que, ou pas vraiment, y a un homme de métier. C'est sûr qu'avec le temps, avec le nombre d'expériences qu'on gagne, parce que chaque maison qu'un client peut acheter, c'est une obligation pour vous, pour conseiller de le faire inspecter. Donc, en côtoyant les inspecteurs et avec le temps, on finit par acquérir quelques informations. Mais c'est les rudiments de la profession pour bien maîtriser, pour bien défendre l'intérêt client. N'oublie pas que mon faut confiance pour vendre, pour l'acheter avec vous-même ou vendre un bien pour lui qui coûtait le plus cher dans sa vie. Une maison, ça coûte plus cher qu'une auto, que n'importe quoi qu'on vit au jour le jour. Donc, c'est une grosse confiance que mon enfant ou gain intérêt à être bien informé pour capable bien défendre l'intérêt mon enfant. Mm-hmm. Et avec toute humilité, je peux te dire que je peux pas dire que j'atteins la perfection de la profession, mais s'il y a des taux d'insatisfaction, ça peut représenter 3% de toutes les transactions que j'ai déjà faites. Oui. Parce que satisfaire un client, c'est très délicat. La ligne est très mince, entre le carreau noir et le carreau blanc. Donc, il faut toujours faire attention pour vraiment essayer de satisfaire le client. Le client, oui. Bon, alors nous allons prendre une pause, mesdames, messieurs. Pas oublier que je dis là où nous avons un grand meeting. Le grand meeting, ça veut dire que nous avons une grosse réunion avec des grands de la communauté, des gens qui sont positifs, qui ont fait belles bagailles dans la communauté haïtienne. Peut-être que vous faites écrire dans la communauté, ou compte des noms, ou peut-être que vous faites face avec un poteau garçon. Ce n'est pas qu'un plaisir lié pour moi, je dis là, pour nous dans cette communauté grâce sur grâce, pour nous capables de chita avec des personnes comme ça. Son série que n'a fait monsieur Suleiman Premier qui c'est un agent immobilier qui c'est propriétaire d'une agence de est-ce que je suis capable de dire comme ça ou c'est propriétaire d'une agence? Oui, propriétaire d'une agence immobilière. Parce qu'il faut faire la différence entre courtier immobilier. De toute façon, le terme aujourd'hui, on ne dit plus agent immobilier, c'est courtier immobilier. Courtier immobilier. On a changé la terminologie. OK. Donc, les courtiers sont dans l'agence. Dans l'agence. Les courtiers travaillent pour une agence. Pour une agence. OK. Donc, voilà. Mais moi, et peut-être heureusement ou malheureusement, je porte deux chapeaux. Je suis courtier et je suis dirigeant d'agence.
Ah, courtier et dirigeant d'agence. Donc, pour être un dirigeant d'agence, ça prend un permis spécial? Ça prend un permis. C'est un, il faut être courtier plus. À d'autres termes, il faut avoir le titre de courtier agréé. Agréé. Il y a un courtier normal, vous allez passer votre examen. Okay. Mais si vous voulez devenir courtier agréé, il faut aller faire encore d'autres études pour qu'on passe notre examen à notre organisme pour avoir le titre d'agréé. Et c'est lorsque vous agréez, vous êtes capable de diriger une agence. Voilà. Alors, mesdames, messieurs, nous prenons une petite pause. Là, nous sommes en pause là. Nous allons changer bagaille là. Nous allons bouleverser, monsieur, mon premier, parce que nous prenons toutes questions nous avons gagnées et que nous ne pouvons pas jamais poser. Nous allons s'y poser. Bon, comme moi, je suis là, je ne pas déranger, je quitter le chita là. Bon, mais même, je vais me déplacer. Je vais tourner tout à l'heure, je vais en pause. Je vais aller dans l'autre bagaille, même si je vais arrêter. Acheter kay qui te gagne tout bagay ça là donne monsieur acheter kay yon kay ah bon pour me retirer bay nan puis parce que sandal ça gagne la pote me nan cou mettre sandal là pour tes orteils là battre moi comme ça bagay là fait mal et comme si me dadou c'est cerveau moi qui fait mal là si littéralement parler grand gouvle fait ce matin. Fatigué en pile, il pas date non m'a travail là, pas date non m'a travail là. M'a de prendre job ça non. Clean, job clean, nettoyer. Je saute dans la pause. Bon, monsieur, mon père, je ne pas même boire ni de l'eau, pas miso. Ma misère, c'est où pas ouais, là, ma pas misère. Ah. Parce que moi-même, moi tranquille. Je suis. Comme d'habitude. C'est toujours comme ça. Toujours cool. Wow. Zéro pression. Ah, mais ça, c'est bien ça. Oui. C'est ça, mais ça permet de vivre longtemps. Puis. Probablement. Est-ce que ça a déjà arrivé ou faire chicane avec un monde? Pas souvent. Non. D'ailleurs. Ma force, c'est le silence. Le silence. Donc, ça, c'est bien là. Sa force, c'est le silence. Donc, ça, c'est fait partie des grands guerriers qui combattent avec le silence. Mais c'est bien. Maintenant, après des années, plus que 30 ans? Non, on a 28 ans de service. 28 ans de service. Ouais. OK, 28 ans de service, proche de 30 ans. On a proche de 30 ans. Qui secret qui kembo là, toujours dans le domaine ça? Le secret qui kembe, c'est la qualité de service, le sérieux et de prendre beaucoup de précautions. D'ailleurs, moi-même, dans le poste que m'occuper en tant que dirigeant d'agence, je n'ai pas droit à l'erreur. Parce que nous avons une organisation qui est l'OASIC, qui est l'organisme d'auto-réglementation des courtiers immobiliers du Québec, qui régit la profession. Et juste pour bénéfice de vos auditeurs, m'a dit que si jamais il y a un problème avec un courtier, et la procédure à faire, c'est d'appeler le directeur du bureau, n'importe quel bureau, dans un premier temps, et s'il n'est pas satisfait avec des réponses que le directeur bureau a bail, on litige avec un courtier, il doit porter plainte à cet organisme qui gon syndic qui a l'ouvrir enquête sous dossier A pour essayer de courtier fautif. C'est sûr que le grand public n'a pas tellement connu ça, mais il est protégé par cet organisme-là qui est là pour la protection du public. Ça s'appelle l'OASIC. Donc, moi-même en tant que dirigeant d'agence, je ne peux pas me permettre à l'erreur parce que si jamais moi pris dans quelque chose, il a enlevé permis, le bureau est fermé aussi. Okay. Donc, je n'ai pas de place à l'erreur. Donc, j'ai toujours essayé de garder une ligne directe, droite. Et ma bonne anecdote, souvent les gens conviennent moins, soit pour mando, pour faire quelque chose qui n'est pas correct. J'ai dit, écoutez, monsieur ou madame, je connais tout ce qui est dans le paradis et tout ce qui est dans l'enfer. Mais j'ai choisi de faire ce qui est dans le paradis. Donc, malheureusement, je n'ai pas caïdo pour sormander. Sormander, oui. Parce que des fois, je connais j'ai fait 6 tournées 9. Vous comprenez très bien. Oui, créole parler, créole comprendre. OK. Comment, par exemple,
les gens ont besoin et acheter un caille. Mais on dit là bon, décider me besoin acheter un caille, année ça faut que moi gagne un caille. Qui première étape mon en fait? Est-ce que les contacter banque li tout d'abord ou bien contacter agent immobilier? Souvent li aller web banque li. OK. Mais banque là souvent comme qu'on dit client, banque là pas courtier immobilier. Pas courtier, le courtier immobilier c'est un métier comme le banquier est un métier. C'est sûr qu'on travaille en collaboration. Nous, chacun a parti du travail de l'autre, mais moi, je ne suis pas banquier et le banquier n'est pas courtier. C'est pas courtier. Mais on n'a qu'à voir l'un ou l'autre. Mais la meilleure personne à aller voir, c'est un courtier immobilier. OK? Et moi-même, là, mon relève pour Yonka, il me dit, ça lui prend trois facteurs que nous t'avons dit, comme n'a pas les créoles, trois roches du fait. Oui. Ça vous prend un emploi. Emploi, oui. Ça vous prend un bon crédit. Bon crédit. Et ça vous prend un minimum de mise de fonds. Okay. Qui peut représenter au moins 5% si c'est un achat résidentiel. OK. Emploi, crédit, mise de fonds. Mise de fonds. Oui. Si tu n'as pas ces trois facteurs-là, ou pas qu'à acheter en caille. Okay. Ou du moins, on peut acheter dans des conditions qui ne sont pas réglementaires. Tout à l'heure, monsieur mon premier nous a dit que c'est un monde qui est silencieux, qui est très calme. Donc, en dehors de ça, s'il y a trois mots qui t'a décrit ou en tant que personne, qui trois mots t'as choisi? Ils ont maîtrise de soi et maîtrise de soi, loisir, parce que même si moi tranquille, mais j'aime m'amuser, discipline. Oui, ça c'est bon. Ça c'est trois mots peut-être capable de dire yon moun ou besoin. Pour arrêter ferme, arrêter, même que ce soit en business, en affaires, en amitié, de tous les jours. Libre est vraiment balé au principe. Ça veut dire que là, si je comprends bien, monsieur Lim, mon premier, c'est un monde qui. Bon, il n'y a pas de défaut. Et n'après, vous n'avez pas oublié que antérieurement, je suis dos avant pour ça, qu'il y a pas d'après monde qui n'est pas fait. Voilà. Personne n'est pas fait. Comme monde qu'on dit, moi, je suis un lion, pas nature. Ce que les gens disent, monde qui signe ça, il est très doux. Même s'ils ont signé Lyon, je suis né au mois d'août. Oui. Mais par contre, quand ils ont leur voyage, oui. Ils deviennent très agressifs. Ah oui. Mais il faut capable d'encaisser beaucoup et garder leur calme. Donc, oui, moi, je suis capable de gagner des défauts parce que il y a des choses que je ne peux pas tolérer, comme injustice, certaines choses qui me dérangent. Et des fois, si ça devient redondant, donc, je peux avoir des réactions qui... Peut ton câble. Exactement, tout à fait. L'autre question que je pense qui est très importante que Mouniota voulait qu'on ait, et qui... après 28-29 ans, dans le même domaine, je pense que j'ai un pile haut, j'ai un pile bas. Mais qui est plus bel souvenir que vous kembe dans le domaine immobilier? Plus beau souvenir moi dans le domaine immobilier, c'était en 2004. Moi, j'ai travaillé pour sans faire la publicité pour lui, la compagnie Century 21. Oui. Et j'étais classé parmi les 21 meilleurs courtiers à travers le Canada. Wow! Donc, si vous faites recherche Google, 2004, trouvez les 21 meilleurs à travers le Canada. Donc, j'étais la seule personne qui faisait personne de race noire, qui faisait partie de ce groupe-là. OK. Donc, c'est à partir de là aussi, que des amis me disent, ah, écoutez, sous café performance, ça, pour qu'ils ne sont pas l'ouvrir compagnie. Oui. Et c'est là que, en 2005, à la suite de ça, j'ai ouvert ma compagnie. Donc, c'est le meilleur souvenir dans le domaine immobilier. Dans le domaine immobilier. D'après ce qu'on a dit, c'est que après la pandémie, marché a vu plus difficile. Est-ce pour les vendeurs ou bien pour acheteurs? C'est surtout pour les acheteurs. Mais, lorsqu'il y a 25-30 ans dans la profession, c'est pas première fois que ça arrivait. En 93, 94, 95, il y avait une crise immobilière aussi. Que le marché était très difficile, les maisons ne se vendaient pas. Mais présentement, c'est que pour les premiers acheteurs, par rapport au taux d'intérêt qui est un peu élevé, c'est pas vraiment élevé, parce que moi, dans les années 80-81, j'ai connu des taux d'intérêt 18%. Je n'étais pas courtier immobilier quand j'ai acheté ma première maison. Oh. Donc, les taux étaient 18%, oui, en 81, 82. 17, 18%. Donc,
5-6%, ce n'est pas un taux élevé quand les jeunes disent ça. Ce n'est pas énorme. C'est sûr que les prix des maisons ne valaient pas ce que ça vaut aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le prix moyen, on a profité de ça pour bénéfice mono, Montréal, présentement, le prix moyen d'une maison, c'est 550 000 selon l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec. 550 000? 550 000. Ça, c'est dans Montréal ou à l'extérieur? Montréal. Okay, Montréal. Le marché à Montréal, le okay. prix médian, le prix moyen. Wow. Donc, ça donne une idée. Mais ce que Mounio est capable de comprendre, c'est que le prix des maisons sont doublés depuis environ 10 à 15 ans, mais les salaires des gens ne sont pas doublés. Donc, les maisons ont augmenté de peut-être entre 10 et 30%, mais les salaires ont augmenté de 3 à 6%. Donc, ça devient, il y a un déséquilibre dans le marché qui fait que pour les jeunes acheteurs, les jeunes ménages, c'est très difficile et d'avoir accès à la propriété. Et ça va venir de jour en jour plus difficile, malheureusement, si le gouvernement ne prévoit pas un programme qui peut permettre aux jeunes d'avoir l'accès à la propriété. Est-ce que, en tant qu'agent ou responsable d'une agence, est-ce que vous-même vous allez soutenir ou allez chercher des agents ou du moins si vous-même qui déplacez Vinna Koto parce que vous voulez faire partie? On a déjà fait ça. On a déjà allé faire des promotions dans les écoles qui donnent le cours avec les finissants. Okay. Mais depuis à peu près 5-7 ans, je ne le fais pas. Parce que, bon, nous pas le même challenge là encore. Et puis, il faut que je te dise aussi... j'ai des enfants qui ont suivi la formation mais qui ne sont pas intéressés à officier. Ah. Et donc aussi la relève n'est pas là aussi, donc nous tout profiter lancer un message. Oui. Si un collègue dans l'immobilier qui a coûté nous et qui est intéressé, on est ouvert parce que je sais que les gens sont gênés pour dire est-ce que vous serez intéressé à transférer la compagnie. Moi je suis ouvert à ça. Oh. Parce que je pense que j'approche la fin de carrière. Ah oui? Ben, certainement. Bon, normalement, je pense que vous avez arrêté en pile année encore pour travailler dans le domaine. Ça, ou est-ce que peut-être vous allez passer dans l'autre domaine? Non, il n'y en aura pas d'autres domaines parce qu'on a ça fait suffit? Notre temps. Ça suffit. On peut-être jouer un rôle de consultant, de conseiller, oui. mais pas vraiment active avec des responsabilités. Parce qu'avoir une agence, là, c'est très lourd parce que vous gérez ça au niveau d'affaires, parce qu'il y a des dépenses, des employés. Et vous gérez tous les litiges qu'un courtier qui travaille pour ou qui gagne avec un autre courtier. Mm-hmm. Vous représentez au niveau de l'organisme. Si jamais ils font manquement, donc vous devez le présenter parce qu'il a travail. Parce qu'un courtier est mandaté pour travailler pour une compagnie. OK. Donc, okay. Si vous êtes courtier, vous pouvez travailler pour l'agence ABC. Oui. Mais c'est l'agence ABC qui vous chapeaute. OK. Il n'y a pas de courtier indépendant. Vous pouvez avoir votre compagnie, mais si vous êtes courtier, okay. vous devez travailler pour une agence immobilière. OK. Parce que c'est là, comme je disais tantôt, la différence entre courtier et courtier agréé. Un courtier agréé peut ouvrir son agence, puis il n'a pas d'autre courtier. Mais il a sa compagnie parce qu'il est agréé. Mais s'il veut avoir 10, 20, 30 courtiers, il peut l'avoir. Mais parce que moi, dans les années 2006, 2008, 2000, jusqu'à 2010, j'avais environ au-dessus d'une cinquantaine de courtiers de toute origine qui travaillaient pour moi. Okay. Maintenant, c'est diminué à peu près 20, 22 courtiers. Mais donc, c'est très lourd à gérer. À gérer. Wow. Alors, mes amis, quand nous arrivons vraiment vers la fin, et nous attendons de finir, nous tellement de belles paroles pour nous parler, mais nous connaissons. Monsieur, mon premier occupant en pile, il faut nous quitter là, le faire sale pour le faire, pour le faire retourner encore sur Téléradical. Définitivement, de pour venir là, nous tout mettre mes sous. Là, c'est la caille liée. Téléradical est pour Lilié, n'importe l'élevé passé sur Téléradical, là, pas passé. Mais nous ne pouvons pas quitter l'allée sans que nous ne fassions une activité qui est différente de ça, nous connaissons déjà. Nous connaissons, ou sont fanatiques Tropicana ou pas dans Tropicana? Qui chante Tropicana ou connaît pas? Rémé Moun qui Rémé. Rémé Moun qui Rémé. Comment le commencer encore? Rémé Moun qui Rémé. Ah ou bon? Non, j'ai ou bon? Ok, mais ça nous va le faire là. Oui. Ou pral jouer montrer sous cadre montrer nous côté sous un talent acteur. Moi même m'essayon au monde que pral ba un conseil parce que décidé acheter un caill. So gens que nous pral faire là, nous gagne nous pral ba 3 minutes.
Et bon, regardez, parce que je n'ai pas de petits barils dans la poche, moi qui contrôle les minutes. Ok, ça, 2 minutes. Mm-hmm. Les vignes, la gueule, c'est 2 minutes. En 2 minutes, nous prenons parler et puis nous prenons laisser qui gens ou pral dégager ensemble avec moi parce que moi-même, je suis un monde qui charge les problèmes et je besoin de caille. Mm-hmm. Ok? Alors, nous prenons. Mesdames, messieurs, suivez. Monsieur Sully, mon premier, pour montrer nous talent actuel, libéral, jouer ensemble avec moi. Nous gagnons 2 minutes et c'est parti. Bon, moi-même, là, je ne sais pas comment ça va. Là, je dégage ensemble avec moi parce que je pas travail. Et côté Mia, je dis faut m'aller. Wow, si je pas travail, ou un gros problème. Parce que, fort travail là, c'est un élément pour acheter Kaila. Est-ce qu'on gagne un petit garçon qui a 18 ans qui travaille? Qui capable signer pour vous, bien bon frère qui a signé pour vous. Parce que pour acheter Kaila, ça prend 3 bagailles. Mais mon yon pas voulu signer parce que yon te dit que ça m'a déjà bon Kaila, déjà m'a perdu, le connaît si elle signe, si elle perdit. Est-ce que crédit ou bon? Bon, m'a checké non? Ah, bon. M'a checké parce qu'on aime pas travailler. Ça m'a fait pour vous, m'a préféré à coûter hypothécaire qui travaille avec moi-même okay. Pour garder qui probabilité qui gagne. Même après, honnête avant. M'pap ka garanti ou. Parce que ça prend 3 facteurs importants. Faut ou ap travail, faut ou capable ap travail, faut gon bon crédit, et nous pas ka fè miracle. Reprenne, parce que... Mais ou pas ka ou même tant qu'on poche pas ou aide, mais parce qu'on do maintenant, on kon comment ba... Mais c'est aide ma pe dollar, ma bon conseil. Mais job, mais c'est bien conseil yo. Le conseil n'a pas ka fè, mais j'ai 6 mois là. Oui. Mais ah, madame ou ap travail. Oui, la travail. Ah bon, si madame a travaillé, nous résoudons nos bagages. Oui, mais si nous t'a quitté, madame n'a pas pris la pour lui. Eh bien, au Québec, malheureusement, même laisser ou même acheter Kaila, sur la loi du patrimoine, Kaila fait partie de madame, non, même s'il n'a pas mis tes cobles là-dedans. Ah. Donc, n'importe quoi qu'on fait. Ou marié. J'aime déjà marié. Ah, ou marié. Ça veut dire, vous conseillez là, mandez madame, non? Oui. Rendez madame nan, vini ou pon l'autre rendez-vous avec madame nan, comme madame nan travail, et puis par contre, au niveau financement m'kaido, parce que gan pile programme okay. De la Société Centrale d'Hypothèque de Logement, uh-huh. Par exemple, qu'on y a là, si on a pas acheté un premier caille, uh-huh. Gouvernement ka prêt de fonds prêt de jusqu'à 5% pour capable acheter oh, même si m'pa gen mise de fonds. Oui, ça nous ka résoudre. Oh, et banque yon gon programme tout, yon prêto, mais yon bon taux qui est intérêt qui pi élevé, et puis yon bon ça qui yon relé en cashback, oh. Qui représente 5%. Avec expérience que m'gen là de plus que 25 ans, non. M'abdo honnêtement, m'ka jouer une solution. Une solution, m'jouen. Merci, en pile plaisir pour vous. M'm'pap ke bon toi, merci de vous mettre à l'aise. Oui, m'm'pale. Mais comment m'm'ka pas faire pour m'jouer nous là même? C'est 514. 898-1598 OK 514 faut m'écrire lui oui 514-898-1598 et ça son numéro nous gagne depuis plus que 25 ans ah ça veut dire que son bagage tout le monde a supposé qu'on est pas à cœur oui exactement et l'on pas changer numéro c'est bon signe mon compte sous pour Kaila ah ben m'a régler ça pour plaisir voilà alors mes amis. C'était celui mon premier. Je pense que gen moun la kap gade la tout ki ta reme pou fon salye pou salye yo tout. Mais m'ap salye tout Télé Radical. C'est un plaisir pour nous te avec nous matin hein? Et nous espérer encore une autre fois d'après ouais encore. Voilà. En ben mes amis, moi même pral continuer travail moi, c'est notre travail moi là, m fin fò ti chita pa la avec boss là. M bralé, m pa konnen si li même. Si la prete l ka rete parce que journée long toujours l ka rete chita parce que l gen temps devant. Moi même bralé. Bon, mais merci oui. Fatigué en pile, il n'y a pas de date, je ne travaille pas. Je ne vais pas de job ça, non? Clean, job clean, nettoyer. Vous savez, moi, j'ai aimé nettoyer. Moi-même, c'est bon manger, bon dormi. T'as dit, m'chita là, m'parle avec Sili, m'parle. Quoi ça meeting dans le bon, si m'dekone, quoi ça meeting dans le m'batap là. Qu'est-ce ça? Madame, oh, quand belle madame. Ah, oh. Madame, qui est-ce madame là? Ah. Mais là avec moi, elle est avec toute petite li. Ah, petite li, oui. Et c'est dame ça, même regardez. En haut bon, en bas bon, tout col bon. Je vais quitter mon ça, oui, avec balle, non, même non là. Des belles femmes, oui. Ça, où est-ce que vous allez faire? Ah,
ça c'est Natacha. Natacha. Sinadelis, c'est madame Chiktayo, oui. Yon a meeting dans tout. Moi, elle pose une question. Ah, mais pas même d'appeler plein grand goût. Moi, je vais retirer ça. Je vais pas quitter mon ça. Je vais venir avec Gana. Même d'aller à comprendre le travail, ma travail là. Ok. Bon, pas un problème. Bon, même si vous connaissez ma travail. Travail, c'est parce que vous travaillez. Tout bon, vous même, vous faites chic taille. Et puis, moi-même, bac à propreté. Faites vous mettre rentrer. Non, mal préparé, mal posé aux questions. Mal plein aux questions. Mal savonné aux questions.